Mesdames, Messieurs, je déclare la séance inaugurale ouverte. Je salue l'ensemble des représentants de l'Assemblée de la Polynésie française. Je salue également tous nos invités venus assister à cette séance inaugurale. Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui en application des dispositions de l'article 118 alinéa 2 de la loi statutaire, selon lesquelles l'Assemblée se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit l'élection de ses membres sous la présidence de son doyen d'âge, à savoir moi-même. Comme le prévoit le règlement intérieur, je serai assisté des deux plus jeunes membres de l'Assemblée présents, qui sont Mme Mayana Sage et M. Tevaro Fritsch. Je demande donc au secrétaire général de faire lecture de la lettre de convocation de cette séance et demande de faire l'appel des représentants. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 18 février 2008. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que conformément à l'article 118 de la loi organique numéro 2498 du 27 février 2004 modifié, portant statut de la Polynésie française, l'Assemblée de la Polynésie française se réunira de plein droit le jeudi 21 février 2008. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président Edouard Fritsch. Alors, Madame Afo Annick, présente. Madame Algon Emma, présente. Monsieur Alpha Théari, présent. Madame Bob Dupont-Tamara, présente. Présente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, présent. Présente. Madame Brodien-Rosine, présente. Madame Charlie Darny, présente. Madame Cross Valentina, présent. Monsieur Drolet-Jacqui, d'ailleurs. Monsieur Floss Gaston, présent. Monsieur Foster Temauri, présent. Madame Frébeau-Joël, présent. Monsieur Frébeau-Pierre, présent. Monsieur Frich-Edouard, présent. Madame Galland-Chantal, présente. Monsieur Géros-Anthony, présent. Monsieur Anderson-Georges, présent. Madame Hirschon-Onoutea, présent. Madame Iriti-Teoura, présent. Madame Isal Heifara, présent. Monsieur Kautey Benoît, présent. Monsieur Kohomwetini René, présent. Madame Léviagami Sandra, présente. Monsieur Lison Marcelin, présent. Monsieur Mamatou Yahoutapou Victor, présent. Madame Araya Emma, présent. Monsieur Maraoura Teina, présent. Madame Ataoua Léoni, présent. Madame Ati Juliana, présent. Madame Merceron Armel, présent. Madame Olivier Marise, présent. Madame Parker Eleanor, présent. Monsieur Porliet Ekinoui, présent. Monsieur Rapoto Jean-Marius, présent. Madame Richeton Monique, présent. Monsieur Rivetta Frédéric, présent. Monsieur Rofrid Stéphane, présent. Monsieur Omataro Ferdinand, présent. Madame Main, Madame Sage Main, présent. Monsieur Salman James, présent. Monsieur Chil Philippe, présent. Madame Tahiata Chantal, présente. Madame Tama Françoise, présent. Monsieur Tonson Robert, présent. Présent. Monsieur Chunyong Tonghi Achong, présent. Monsieur Tefarere Hirohiti, présent. Monsieur Temaru Oscar Manukai, présent. Monsieur Teripaye Amita, présent. Madame Teruatea Sylviane, présent. Madame Tetono Ilana, présent. Madame Teura Justine, présent. Monsieur Tonson Gaston, présent. Monsieur Toahou Ismaël, présent. Madame Touchobillard Catherine, présente. Madame Vernodon Béatrice, présent. Monsieur Vernodon Clarence, présent. Et Monsieur Yip Michel, présent. Voilà, Monsieur le Président. Tout le monde est là. Madame la secrétaire générale, je vous demande de donner lecture du projet de l'ordre du jour.
Monsieur le Président, la conférence des présidents réunie lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 3, élection du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 4, discours d'ouverture de la session administrative du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Point 5, fixation de la date d'élection du président de la Polynésie française. Et enfin, point 6, clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Je vous soumets l'ordre du jour. Ceux qui sont d'avis pour approuver l'ordre du jour veulent bien lever la main. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour, à savoir l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Madame la secrétaire générale, veuillez donner lecture des articles du statut de la Polynésie française et du règlement intérieur relatif à l'élection du président de l'Assemblée. Monsieur le Président, l'article 121 du statut de la Polynésie française prévoit que l'Assemblée de la Polynésie française élit son président pour la durée du mandat de ses membres. Elle élit aussi chaque année les autres membres de son bureau à la représentation proportionnelle des groupes politiques et dans les conditions fixées par son règlement intérieur. L'article 1er, alinéa 2 du règlement intérieur précise qu'en début de séance inaugurale, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres de l'Assemblée présents pour procéder à l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française. Alors, sur les modalités de l'élection du président de l'Assemblée, l'article 2 et 3 alinéa du règlement intérieur dispose que l'élection du président a lieu au scrutin uninominal et secret à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les candidatures de tous représentants sont libres pour les deux premiers tours de scrutin. Si les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultat, il est procédé à un troisième tour, auquel seuls peuvent participer les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Cependant, l'un ou l'autre des candidats arrivés en tête peut décider de se désister en faveur d'un candidat ayant obtenu moins de voix. Et en cas d'égalité de voix au troisième tour, le plus âgé est proclamé élu. Et dès que l'élection du président a été proclamée, le doyen d'âge invite celui-ci à occuper le siège de la présidence. Quant au scrutin, l'article 44 du règlement intérieur sur le scrutin secret précise que le scrutin secret de droit pour le vote de l'élection du président de la Polynésie française, l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie française, celle des autres membres du bureau et chaque fois que la majorité des membres de l'Assemblée décide. Alors, pour procéder au scrutin secret, chaque représentant reçoit un bulletin dont la forme a été préalablement arrêtée par l'Assemblée et le dépose dans l'urne qui lui est présentée. Lorsque tous les représentants présents ont voté, le président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Le dépouillement est effectué sur une table située au centre de l'hémicycle. Il s'assure que le nombre des bulletins est égal à celui des votants. En cas de différence entre le nombre des votants et celui des bulletins, les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Un secrétaire lit ostensiblement et à haute voix les bulletins l'un après l'autre, tandis que l'autre secrétaire inscrit les votes tels qu'ils sont lus. Le résultat est ensuite proclamé par le président. Enfin, l'article 122 alinéa 4 du statut prévoit que le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'Assemblée. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie, du président et du bureau de l'Assemblée, et pour le vote d'une motion de défiance. Voilà, Monsieur le Président. Avez-vous des candidatures à présenter? La parole. Der Feuerhey, Uramajotato Farri Daitenebeu, le groupe UPLD présente la candidature de M. Anthony Géros au poste de président de l'Assemblée de la Polynésie française. Y a-t-il d'autres candidatures? Monsieur Tanchon. Monsieur le Sénateur, président de séance de cette séance inaugurale, Madame la Présidente du Conseil économique, social et culturel, Monsieur le conseiller économique et social, Monsieur le Président du groupe de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée Polynésie, Messieurs, Mesdames de la presse, des corps constitués, chers publics, je voudrais, de commun accord avec le groupe du Tahoe Rahutatira, présenter la candidature de Monsieur Edouard Fritz. Y a-t-il,
Y a-t-il d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures? Je suspends la séance pour faire établir les bulletins, si vous en étiez d'accord. La séance est suspendue. La séance est reprise. Nous procédons donc à l'élection du président de l'Assemblée. Le scrutin est ouvert. Je demande aux deux secrétaires de se mettre de chaque côté de l'urne. Madame la secrétaire générale, veuillez faire l'appel des représentants. Madame Afouanik. À voter. Madame Algoïma. À voter. Monsieur Alpha Théari. À voter. Madame Bob Tupon-Tamara. À voter. Monsieur Bissou Jean-Christophe. À voter. Madame Roudière Ousine. À voter. Madame Chavez Daphné. À voter. Madame Cross Valentina. À voter. Monsieur Drôle Jacqui. À voter. Monsieur Flos Gaston. À voter. Monsieur Foster Temauri. À voter. Monsieur Frébeau, Madame Frébeau-Joël. À voter. Monsieur Frébeau-Pierre. À voter. Monsieur Fritz-Edouard. À voter. Madame Galnon Chantal. À voter. Monsieur Gérard Santoni. À voter. Monsieur Anderson Georges. À
À voter. Madame Hirschon, Nonotea. À voter. Madame Iriti Teura. À voter. Madame Isa Leifara. À voter. Monsieur Kauté Benoît. À voter. Monsieur Comoitini René. À voter. Madame Livia Gami Sandra. À voter. Monsieur Lison Marcelin. À voter. Monsieur Mamadou Yahouta pour Victor. À voter. Madame Araya Emma. À voter. Monsieur Maraoula Teina. À voter. Monsieur Madame Matawa Leoni. À voter. Madame Mati Juliana. À voter. Madame Merceron Armel. À voter. Madame Olivier Marie. À voter. Madame Parker Eleanor. À voter. Monsieur Pauliette Ekinoui. À voter. Monsieur Rapoto Jean-Marius. À voter. Madame Richton Monique. À voter. Monsieur Rivetta Frédéric. À voter. Monsieur Rofri Steva. À voter. Monsieur Romata Roa Fernand. À voter. Madame Sage Mayena. À voter. Monsieur Salmon James. À voter. Monsieur Gilles Philippe.
À voter. Madame Tarietta Chantal. À voter. Madame Tama Françoise. À voter. Monsieur Tonso Robert. À voter. Monsieur Chuyong Tongi Achong. À voter. Monsieur Tefare de Hiroiti. À voter. Monsieur Temaru Oscar. À voter. Monsieur Terry Payamita. À voter. Madame Teruatia Silviane. À voter. Madame Tétonou Ilana. À voter. Madame Théora Justine. À voter. Monsieur Tonson Gaston. À voter. Monsieur Touahou Ismaël. À voter. Madame Touchobillard Catherine. À voter. Madame Vernon Béatrice. À voter. Monsieur Vernon Clarence. À voter. Enfin, Monsieur Yip Michel. À voter. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Mesdames les secrétaires, voulez-vous procéder au dépouillement ?
57 bulletins trouvés dans l'urne. Édouard Fritsch. Anthony Géros. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Anthony Géros. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Anthony Géros. Anthony Géros. Anthony Géros. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Anthony Géros. Édouard Fritsch. Anthony Géros. Anthony Géros. Anthony Géros. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Anthony Géros. Anthony Géros. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Anthony Géros. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Anthony Géros. Anthony Géros. Anthony Géros. Anthony Géros. Anthony Géros. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Anthony Géros. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Anthony Géros. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Édouard Fritsch. Anthony Géros. Anthony Géros.
10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voici le résultat du scrutin. 57 représentants composant l'Assemblée, 57 représentants présents, 57 votants, 57 bulletins trouvés dans l'urne, 0 bulletin blanc, 57 suffrages exprimés, ont obtenu. Monsieur Fritsch, 36 voix. Monsieur Géros, 21 voix. En conséquence, je proclame élu président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. Fritsch. Je vous demande une petite suspension de séance pour permettre au président de regagner son fauteuil. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs du public, chers amis, je voudrais avant tout vous adresser mes salutations. Et surtout, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accordé leur confiance pour présider à nos débats ici, à l'Assemblée de Polynésie française. Merci à toutes celles et tous ceux, surtout, qui ont porté leur voix sur moi. Donc l'on peut dire que ce scrutin entérine la volonté populaire de voir une majorité autonomiste gouverner, il est vrai. Je peux vous assurer que les 10 représentants, du Tahoeira Huiratira entendent remplir leur rôle avec détermination, compétence et loyauté. L'UPLD, quant à elle, forte de ses 20 représentants, est une opposition en effet qui mérite qu'on lui porte considération. Et j'entends bien que ce soit une réalité de tous les jours. Je souhaite que ma mandature soit une mandature de consensus, une mandature de paix, une mandature de concorde. Tous les Polynésiens attendent que nous nous mettions au travail. Alors je souhaite qu'ensemble nous puissions lui répondre à ce peuple polynésien sans plus tarder. Je m'engage devant vous à être le président de tous. Soyez assurés de mon écoute attentive et sachez que j'entends bien poursuivre, comme ce fut le cas lors de ma précédente mandature, l'instauration dans nos débats d'un climat serein, détendu et apaisé. C'est en tous les cas le vœu que j'aimais. Tenarone eu amaruru maitei tuta porarhene. Potei fautei tura tuti aturira. Ini eiau no te rat erai tata tu hupai unei iru tui tata tu aporarhe. Amaruru maitei ne eu te ie mautae mautuhine te ie ti aturi ki fautei tura tuti aturira. Ini ayah isunai, ete amaruru wat oneyau ite tepa. Tei ore ma iti yau. Matu mete ti aturi neyau we, ite ye tei mene wari riau. Ei pere ti teni, no te ta atu ara, no ta tu pa atu ayu ner tu iti apu arahe. Norira, ho herema, itu ehne aru e ha aru aru watu itu umomono.
Te hina ronea ue te mauta ai, te mautu hine, ia tupu ta tātou mautau ara aparau yone, rato I te hau, rato I te maitai. Mai te haman oe, hui atira tarai ti ere I tātou, e hui atira tarai hina arora I te iamhana, I haamata tātou I te tātou ohe para. Ini ai tō tātou mauti ara arau, e anan hai, e te whaatere rau tō tātou nei whenimu. Nuri rā, maruru maitai, e ia maitai tātou I te arfano te atua. Nous allons passer maintenant à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée de Polynésie française. Je vais donc suspendre la séance une petite demi-heure afin que les groupes représentés à l'Assemblée puissent se constituer et ensuite que les groupes proposent leur candidature à la constitution du bureau de l'Assemblée. La séance est suspendue. Bien, la séance est reprise. Mes chers collègues, je voudrais, avant que nous continuions nos travaux, puisque nous devons constituer le bureau de l'Assemblée de la Polynésie française, vous informer qu'il a été déposé donc sur le bureau de l'Assemblée de Polynésie française la constitution de trois groupes politiques. Le premier groupe est le groupe Totato Aya, présidé par M. Gaston Tongson, et constitué donc de 27 membres. Le deuxième groupe est le groupe UPLD, présidé par M. Jacques Drolet, constitué quant à lui de 20 membres. Le troisième groupe est celui du Tahoera Huiratira, présidé par Mme Armelle Merceron et constitué de 10 membres. Je demande donc au secrétaire général de donner lecture des dispositions relatives à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée de Polynésie française. Monsieur le Président, l'article 1er, alinéa 1 du règlement intérieur, précise que l'Assemblée nouvellement élue forme son bureau lors de sa première réunion de plein droit. Ensuite, l'article 2 du règlement intérieur précise que le bureau de l'Assemblée se compose du président, des premiers, deuxième et troisième vice-présidents, des premiers, deuxième et troisième secrétaires et des premiers, deuxième et troisième questeurs. Ceux-ci sont élus au scrutin de liste secrète sans panachage ni vote préférentiel. La majorité absolue est requise au premier tour de scrutin. En cas de deuxième tour, la majorité relative suffit. Donc, tout groupe constitué qui fait acte de candidature par écrit doit être représenté proportionnellement sur chaque liste déposée. Les listes non pourvues après cette répartition sont attribuées selon la règle de la plus forte moyenne. Si un groupe constitué ne désigne pas de candidat, les sièges qu'il a vocation à pourvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapportée au nombre total des autres membres du groupe. Donc aucun retrait de groupe n'est possible après que le président ait donné lecture des listes proposées au suffrage de l'Assemblée. Après proclamation des résultats scrutinaires, le président de l'Assemblée suspend la séance pour permettre l'élection par le bureau ainsi constitué des premiers, deuxième et troisième vice-présidents, des premiers, deuxième et troisième secrétaires et des premiers, deuxième et troisième questeurs. Donc aucun débat ne peut avoir lieu avant que le président ne proclame le bureau installé dans ses fonctions. Bien, il a donc été déposé une liste de candidats sur le bureau de l'Assemblée. Je vous donne lecture de cette liste. Monsieur Hirohiti Tefarere, Monsieur Teina Mareura, Madame Rosine Brodien, Monsieur Achong Chunyu Tengli, Monsieur Teiki Nui Porlier, Madame Tamara Bob Dupont, Monsieur Victor Mamatua Huitapu, Monsieur Pierre Fribaud et Monsieur Teva Rofrich. Donc, à raison de 5 représentants pour le groupe Totato Aya, 3 représentants pour le groupe UPLD et 1 représentant pour le groupe Tahoera Huiratira.
Bien, le scrutin est ouvert. Je demande à nos deux secrétaires de suivre les opérations de vote. Madame la secrétaire générale, vous voulez faire l'appel? Madame Afo Anik. À voter. Madame Algoïma. À voter. Monsieur Al-Fatari. À voter. Madame Bob Dupont-Amara. À voter. Monsieur Bissou Jean-Christophe. À voter. Madame Brodien-Rosine. À voter. Madame Chavez Daphné. À voter. Madame Cross Valentina. À voter. Monsieur Jacques Hydroulet. À voter, M. Fosse Gaston, absent, M. Fossette et Maury. À voter, Madame Frébeau-Joël. À voter, Monsieur Frébeau-Pierre. À voter, Monsieur Fritsch-Edouard. À voter, Madame Galnon-Chantal Minari. Voilà. À voter. Monsieur Gérard Santomy. À voter. Monsieur Anderson Georges. À voter. Madame Irshan Onotea. À voter, Madame Iriti Teura. À voter, Madame Isa Refara. À voter, Monsieur Kauté Benoît. À voter. Monsieur Komoitini René. À voter. Madame Lévi Agami Sandra. À voter. Monsieur Lison Marcelin. À voter. Monsieur Mamadou Yahoutapou Victor.
à voter. Madame Araya Emma. À voter. Monsieur Maraïra Teina. À voter. Madame Atawa Leoni. À voter. Madame Ati Juliana. À voter, Madame Armelle Messeron. À voter, Madame Olivier Marie. À voter, Madame Parker Eleanor. À voter, Monsieur Porlet Kinoui. À voter, Monsieur Rapoto Jean-Marius. À voter, Madame Richta Monique. À voter, Monsieur Rivetta Frédéric. À voter, Monsieur Rofrich Teva. À voter, Monsieur Romataro Fernand. À voter, Madame Aïna Sage. À voter, Monsieur Salmon James, absent. Monsieur Chil Philippe. À voter, Madame Tahiata Chantal. À voter, Madame Tama Françoise. Madame Tama Françoise. À voter, Monsieur Tanson Robert. À voter, Monsieur Chong Win Hit Achong. À voter, Monsieur Tefanere Hiroiti. Monsieur Tefanere Hiroiti. À voter, Monsieur Oscar Temaru. À voter, Monsieur Teripayamita. À voter, Madame Teruatia Silviana. À voter, Madame Tétonou Ilana. À voter, Madame Théora Justine. À voter, Monsieur Tongson Gaston. À voter, Monsieur Touahou Ismaël. À voter, Madame Tichoubia Catherine. À voter, Monsieur, Madame Bernodon Béatrice.
voter. Monsieur Venondo Clarence. À voter. Enfin, Monsieur Yip Michel. Le scrutin est clos après le vote de Monsieur Michel Yip. À voter. Voilà, monsieur. On va procéder au dépouillement. Cinquante-cinq bulletins. Liste complète. 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 Bulletin blanc. Liste complète. 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 Bulletin blanc. Liste complète. 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 Liste complète.
Liste complète. Et liste complète. Voici donc les résultats de ce scrutin. 55 représentants présents à l'Assemblée, dans l'enceinte, 55 bulletins trouvés dans l'urne, 2 bulletins blancs et 53 donc suffrages exprimés. La liste a obtenu 53 voix. En conséquence, se sont élus membres du bureau de l'Assemblée de la Polynésie française, M. Hirohiti Te Parere, M. Maraoura, M. Brodien, M. Chungyu, M. Corlier, Mme Bob Dupont, M. Mamatoua Haïtapou, M. Frébeau et M. Rofritsch. Je vais donc suspendre la séance quelques instants puisque les membres du bureau qui viennent d'être élus donc, doivent procéder à l'élection des 3 vice-présidents, des 3 secrétaires et des 3 questeurs. Donc j'invite les membres du bureau à se rendre dans la salle à côté. Je leur donne 10 minutes, un quart d'heure, pour la constitution de ce bureau et nous reprendrons notre séance dans 10 minutes. La séance est suspendue. Bien, mes chers collègues, la séance est reprise. Je vous donne donc lecture de la composition du nouveau bureau de l'Assemblée de Polynésie française. Premier vice-président Hirohiti Te Parere. Deuxième vice-président Teva Rofritsch. Troisième vice-président Teina Maraoura. Premier secrétaire Pierre Frébeau. Deuxième secrétaire Madame Brodien-Rosine. Troisième secrétaire Mme Atoua Victor. Premier questeur, M. Chunyu Achong. Deuxième questeur, Mme Tamara Bob Dupont. Troisième questeur, M. Teiki Porlier. Bien, nous poursuivons notre ordre du jour, la délibération du 18 décembre 2007, qui porte modification du règlement intérieur de l'Assemblée, a prévu donc l'ouverture de la session administrative pour cette année 2008, aujourd'hui même, c'est-à-dire en même temps que la réunion de plein droit de l'Assemblée nouvellement élue. En conséquence, donc, je vais simplement vous dire quelques mots pour faire un petit peu le point de la situation. Si donc cette session s'ouvre dès ce mois de février, parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle, cette session prendra fin en juin prochain, donc à échéance normale. Pour l'heure, nous avons près d'une quarantaine de dossiers à examiner. J'ai demandé au secrétaire général de vous déposer à chacun des représentantes et des représentants la liste des dossiers en instance, ici à l'Assemblée. Certains de ces mêmes dossiers sont capitaux, puisque nous y trouvons notamment le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2008, le budget de notre Assemblée, le projet de contrat de projet, donc un certain nombre de dossiers de ce type qui sont d'une extrême urgence et d'une extrême importance.
En raison donc de ces enjeux, je sais que nos futurs débats pourraient être vifs. En tous les cas, je formule à nouveau le vœu que la vivacité de nos débats soit cantonnée à la vivacité des idées et des convictions. Ces derniers mois, nous avons tous fait l'objet de vives critiques, puis nous avons fait l'effort d'abandonner les noms d'oiseaux et les noms de ce genre. Et je crois que la population a apprécié ce comportement plus digne de ce représentant. Je vous ai remercié lors de la clôture de notre session budgétaire pour cet effort et je vous demande humblement de continuer dans ce sens. Je vous ai également déjà exprimé ma satisfaction de voir les deux grands leaders de notre vie politique dialoguer pour la paix et la réconciliation entre Polynésiens, car on ne peut plus espérer en effet construire notre Polynésie en continuant à opposer une moitié des Polynésiens contre une autre. Les acteurs économiques ont besoin d'une période suffisamment longue de stabilité institutionnelle pour retrouver la confiance, relancer la croissance et créer des emplois. La politique ne doit plus diviser nos communautés et nos familles en donnant en plus, un exemple désastreux à la population et à tous nos jeunes. Les Polynésiens souhaitent la réconciliation et l'apaisement de la vie politique dans notre pays. Nous voulons un dialogue apaisé et réfléchi pour réaliser ensemble l'union de notre peuple, pour construire ensemble une Polynésie réconciliée avec elle-même. Et c'est dans cet état d'esprit, je le souhaite en tous les cas, que nous travaillerons dans les jours à venir. Je vous remercie, mes chers collègues, pour votre attention. Le dernier point de notre ordre du jour, il s'agit du point 5, à savoir la fixation de la date d'élection du président de la Polynésie française. L'article 71, alinéa 1 de la loi statutaire prévoit que l'élection du président de la Polynésie française a lieu dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de la première session de l'Assemblée de la Polynésie réunie conformément aux dispositions de l'article 118. C'est le délai maximum qui nous est donné donc par le règlement intérieur. La conférence des présidents que j'ai réunie donc lundi dernier a proposé de fixer la date de cette élection au samedi 23 février à 9h. Je consulte l'Assemblée pour connaître son avis. Suivez-vous la date proposée par la conférence des présidents. Monsieur le président de groupe de l'UPLD, vous avez la parole, monsieur Drolli. Nā te ianei tōmite taito e whaoti I te teo mhana, o re rā me titauhia oe haputuputu I te ienei mō pritikeni o te maiti apihia, no te hi opo a amui I te rira teo mhana. Atai, tō mato mana o e ere nā te ienei mō pritikeni taito e whaito I te mhana, nā te mō pritikeni maiti apihia e rawei tau ohipara, no atua nā te momero o te aporarhe e whaoti te parauhopea. Nā te momero e whaoti te parauhopea. Te wira no te mhanam a penei e, a oreu I te churu o te whaar o e vere rutu I tātou whare e aporar hei, penei e te vere rutu mō mhana hitu, me te peu e mhana hitu rai, whiwhiri ia I ratu I hare mei te mhanam a. Ai tāne no te tatarara ai e te uputa o te tātou ara, e whaito I te tei whaito no te moni re pupu, I hapa I tātou e runu ai te mhanam a, e mhana tra no te whainene rai ai te tapati, po I te pato I te rira. Ai tāne nenhe, e haren e te rira tei o mhana, e uir anō te e,
nawid a epiti e hato we man on an yete ti ar apriti te maru rumaite président du groupe Tahoeira, pas d'objection. Nous, nous ne voyons pas d'objection à ce que ce soit samedi. Le groupe Totatoaya suit la proposition qui est faite de réunir samedi. Merci. Donc, samedi. Monsieur Drolet, je voudrais simplement rappeler ici que la continuité du service me commandait de convoquer l'ancienne conférence des présidents avant la tenue de la première séance de la nouvelle Assemblée. C'est la raison pour laquelle, donc, en effet, j'ai réuni les représentants, enfin, des présidents de groupe de l'ancienne composition. Mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vous consulte pour infirmer ou confirmer la date qui nous a été proposée par cette conférence des présidents. Voilà. Donc je vais soumettre aux voix, Monsieur Drolet. Maruru e perititeni, te fari nei matou e ufa oti otoi te rira mahana maa. Ai tāne tātou nei nei fai tuito, ia ui e tu o narote te rio maohe, pahonome o e narote te rio maohe, te mei whenua maohe tei. Fai tuito koe tātou e te rata e i tātou prau narote te rio maohe. Maruru mai te ira, maruru, kia rana. Je mets au bois. Donc, cette date pour la convocation de l'Assemblée afin de procéder à la réunion, à l'élection du nouveau président de la Polynésie française, qui est pour? 36 voix pour, qui est contre? 0 voix contre, qui s'abstient? 17 abstentions. Donc, l'Assemblée est convoquée pour samedi matin, ici même à 9h. Mes chers collègues, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 69, alinéa 4 du statut de la Polynésie française, pour le premier tour de scrutin, les candidatures seront remises au président de l'Assemblée de Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Quel article avez-vous dit ? En l'occurrence, les candidatures devront être remises au plus tard le vendredi 22 février 2008 à minuit. Le bureau du courrier de l'Assemblée de la Polynésie française sera donc ouvert jusqu'à minuit demain soir pour recueillir les candidatures. Ensuite, je voudrais informer les présidents des groupes que la conférence des présidents sera convoquée le samedi 23 février à 8h, afin d'organiser notre séance. Je voudrais vous informer, mes chers collègues, parce que je crois que c'est important, que des fiches de renseignement ont été déposées dans vos casiers, ici à l'Assemblée. Je vous demande de les remplir. Ils sont importants pour la gestion des représentants ici à l'Assemblée. Pour les nouveaux représentants, on vous a mis dans vos casiers le nouveau règlement intérieur et le nouveau recueil des textes mis à jour, en particulier le statut donc et ce règlement intérieur de l'Assemblée. Je vous rappelle aussi que le haut-commissaire vous a transmis une déclaration de patrimoine que nous devons tous remplir et transmettre à l'État. Et enfin, une nouvelle fiche qui apparaît aujourd'hui vous demandant le rappel des activités professionnelles des uns et des autres ou des activités d'intérêt général. Je vous rappelle, je mets l'accent là-dessus parce que c'est important, il nous est exigé de déposer ces déclarations dans le délai d'un mois. La sanction, vous le savez, vous connaissez. Rappelez-vous que dans un mois, ces documents doivent arriver au commissariat. Voilà. Mesdames et messieurs les représentants, encore une fois, je vous remercie. La séance est suspendue. Non, close. Je clôture donc cette séance et je vous donne rendez-vous à samedi 9h. Maruru Maitre.